T. Bonjour, Pierre Masselski, j'ai réalisé la traversée de l'océan Atlantique en 2012. Jean-Marc va le faire en novembre. Alors, je précise, traversée en solitaire, sans essence et sans escale, entre El Hierro et la Martinique. Là, il est en train de faire un stage de sécurité pour appréhender notamment les phases de retournement, parce que le bateau peut se retourner. Celle qu'il va faire à l'heure actuelle, c'est à l'intérieur du bateau, panneau fermé. Donc il se retrouve à l'intérieur, le bateau se retourne, et à ce moment-là, il faut qu'il le remette en place, donc il va faire le hamster pendant un petit moment. Et ce qu'il a fait juste avant, c'est bateau retourné, mais en étant à l'extérieur du bateau. Et là, c'est presque classique, c'est des bouts de retournement qui sont de chaque côté, bâbord et tribord du bateau, pour procéder au retournement comme un dessalage classique en bateau. Voilà, donc là, c'est sa première mise à l'eau. Ouais, c'est super, on a Bayonne derrière. Et Jean-Marc, Jean-Marc, il faut monter là où il y a la corde. Ouais. Tu prends la corde. C'est là que tu dois monter. Et prends la corde et t'as le... Tu peux mettre le pied sur le machin. Le support de dame de linge là. Oui.